Salut, ce Gibus. Discutais ce matin avec Kéké puis Pimpin de l'armée. L'armée, c'est plus tard ce que c'était. Aujourd'hui, c'est la Légion étrangère. T'as de tout. Paraît qu'il y a même des jeunes voix. Alors, on s'amusait à contrefaire un peu tous les boyatsons qu'on avait rencontrés, tu vois. Moi, je me souviens, à Drognans, on était accueillis par le colonel Gasser. Un creux nabo moustachu qui sautait comme une puce qui votait certainement pas à gauche. Je souhaite à vous le bienvenu. Et j'aimerais dire à tous les Romains que ici, c'est travail et c'est pas rigole. Parce que vous, les Romains, c'est toujours rigole et c'est jamais travail. Je vais pas laisser vous faire me chier. Le boyatson était tout le temps excité comme une puce. Heureusement qu'on avait le chef de section valaisan pour monter un peu le niveau, hein. Je me présente. Je suis lieutenant Latjon Rotneda. J'ai deux passions dans la vie. L'armée. Puis l'armée. Alors je vous déconseille de me chier dans les bottes. Mais à l'armée, t'as pas que des gradés puis des mecs en uniforme qui cachent leur frustration puis leur complexe d'infériorité derrière un pin sur la casquette. T'as aussi les recrues. Parfois avec des têtes un petit peu improbables, tu comprends. Je me rappelle, il y en a un, il avait une tête à faire avorter une génisse. Sur une dent, il avait un panneau marqué « Prochaine dent » à 2 kilomètres. « Lieutenant Crujada, paysagiste et clépin. J'aimerais une demande de congé pour ce week-end. Je vais chanter dans la chorale du cœur mixte de ma maman. Je suis soprano. Coucou, coucou, la prime non c'è più. E ritorna tu immagio col canto del coucou. » Il y en avait un autre un peu mâchuré, là, le bonhomme, là, je l'aimais bien. Toujours le mot pour rire. Bon, tant pis, ça s'appelait. T'imagines des noms comme ça chez nous en Valais ou bien? Ah, dis donc, Gaspard, j'ai boire l'apéro ou bien? Non? Ah, bon, ben, tant pis. Ça s'appelait comme ça, le bonhomme. Il y a tant que bon, tant pis, là. J'aimerais aller à l'infirmerie. J'ai fait une déprime ici. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a personne qui veut danser. Il n'y a personne qui veut zouker. Moi, j'ai la joie de vivre. J'aime chanter, j'aime danser, j'aime zouker. Je te garantis une chose, c'est que quand bon tant pis, il arrivait sous la douche, on lui tournait tous le dos. Non, passe-moi des trucs comme ça sur des mulets en Valais, j'avais déjà vu, mais sur des bonhommes, jamais. Après, il y en avait un autre qui se prenait pour un gangster de Lausanne. Ouais, ils ont failli s'astiquer avec Farkel, Valaisan, un copain, mais cool. Oh bouffon! Pas correct, là non, j'en ai rien à foutre, je suis trop vénère, Kem. Tous les matins, à 5 plombes, t'as un bâtard qui vient nous réveiller. Déjà que j'ai pas pu dormir, toute la nuit, t'as Kéfar qui rouvre comme une chicha. C'est pas Kéfar, ce Farke, trou du cul. Le type, il veut s'intégrer, puis la moitié du temps, il parle à l'envers. T'as appris où le français, ta berle? Ça m'en retombe pas comme ça. Je vais te fracasser, mec, je suis une caïra. Ta gueule, c'est toi qui es fracassé, ouais. Puis si t'étais une caille, t'aurais plus de plumes que de poils. Puis si t'étais un rat, t'aurais au moins une grande queue, trou du cul. Ouais, je te garantis, Farke, lui, c'était un bon type, hein, mais il avait pas la langue dans la poche. Oh, pis tu sais, à l'école de recrue, on a une plaque pour mettre le nom ici, Farke, etc. Et on en avait un autre, là, il était haut comme un chien assis. La plaque, à lui, elle faisait tout le tour, ça. Da Silva dos Santos Concalves Jésus. Ça s'appelait Jésus, le bonhomme. Lieutenant Roucro, da Silva dos Santos Concalves Jésus. Mais c'est quoi cette merde, là? Je peux plus ouvrir la camisole. Et ce pantalon, c'est le merde aussi. J'ai les poches de chalopette en bas sur les bottes. Je peux pas travailler. Je peux pas travailler. Après, on en avait un autre, je sais pas de quel coin reculé de la Suisse il venait, mais quand il parlait, le bonhomme, on aurait dit qu'il vomissait. Le Neuchâtelois. Lieutenant Robert Nico, pour votre vêtement de sol, je vais sur Coffrade quand on Neuchâtel. Ça fait droit chier la caca, j'arrive plus à faire caca. Je suis bloqué. Je suis totalement bloqué. Heureusement qu'après une semaine d'armée, je retrouvais ma copine. À l'époque, je sortais avec une étrangère, une vaudoise. J'aimais bien la regarder dans son lit le samedi matin, elle était tant jolie, avec son fil de bof qui coulait ici. Au début, je me suis dit, non, tu vois, celle-ci, elle bof devant mes cols. Et pour finir, non, elle bofait tout le temps, tu comprends. Alors je la réveillais doucement. Hey! Puis après, je l'embrasse tendrement. Non, non. Tu sais bien, après une semaine d'armée, t'as qu'une envie, c'est de la prendre dans les bras. Tu lui dire à quel point tu l'aimes, que t'es amoureux. T'es enfin prêt pour te marier. Oh, je déconne, les bonhommes, tu rigoles ou bien? Après une semaine d'armée, à cet âge-là, t'as qu'une envie, mais c'est de la démonter. Tout ça pour dire qu'à l'armée, hein, que tu sois blanc, rouge ou noir, que tu sois riche ou pauvre, radical, PDC ou je sais pas quoi, tu te serres les coudes.
C'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. Hein. Les gens, ils font la guerre, vaccinés ou pas. Hein. Au lieu de ça, il ferait mieux de se serrer les coudes puis d'avancer tous vers la même direction puis se tout.